peut-être qu'avec le téléphone c'est mieux. Non. Thank you.
matin. Ce matin même, j'ai inventé une bombe qui va faire sauter la planète tout entière. C'est une invention toute simple. Personne n'y avait encore pensé. Pourtant, c'était très simple à faire. J'ai fait ça dans ma cuisine, juste sur ma table en formica. Une bombe toute bête. Et rien de plus simple pour la manœuvrer. Il y a juste un gros bouton avec marqué dessus, boum, on appuie et la planète vole en éclats. La planète tout entière, je dis bien. Ce matin, je me lève, hop, j'invente la petite bombe révolutionnaire en 5 minutes. Sur le coin de ma table en formica, personne n'y avait encore jamais pensé jusqu'à ce jour. Certains avaient échafaudé quelques plans, surgi de vagues idées. D'autres touchaient presque au but, puis s'en éloignaient rapidement. Un nombre incalculable de savants se sont penchés sur la manière dont on pourrait faire péter la planète en un seul coup. Mais personne n'a vraiment réussi à développer l'outil qu'il fallait pour la faire exploser. Déjà parce que un nombre incalculable de savants n'imaginaient même pas que c'était possible, que ça resterait définitivement dans le domaine du rêve, alors qu'il suffisait de se pencher un peu sur le problème et de trouver la solution. Une solution vraiment toute bête. C'est si simple. Et pourtant personne, je dis bien, personne n'y a jamais pensé jusqu'à ce jour. Alors que c'est vraiment tout bête. Il suffisait juste d'y penser. Du coup, maintenant, dès que l'envie me prendra de tout faire péter, j'appuierai sur boum et j'enverrai valser la planète dans l'espace. Toute la planète réduite en miettes. Plus de plantes, plus d'animaux et plus d'humains. Terminé. Juste avec l'engin que j'ai inventé ce matin sur la table en formica de ma cuisine. Il ne reste plus qu'à prendre en otage tout le monde, tous les peuples, tous les animaux, toutes les plantes, ou sinon je fais tout péter.
tous les jours, sa pensée fait qu'un tour. Et tous les jours, c'est comme le sang. Le sang ne fait qu'un tour. Le sang tourne dans la tête comme la pensée. Et la pensée sort dans la bouche. Et la bouche parle. Et tous les jours, il y a des bouches qui parlent. Et tous les jours, il a sa bouche et son petit tourment. Il est dans son tourment. Et tous les jours, il veut plus tourner, car il a son tourment. C'est son tourment opérateur. Et tous les jours, il faudrait opérer, être son opérateur, son tour opérateur. Et tous les jours, il a son tour opérateur, à son tourment qui n'opère plus l'opérateur. Il n'opère plus dans l'opérateur. Sa petite tour, il aime des jours. Et sa petite tour, c'est son tourment. Sa petite tour, et il s'enferme dedans. Dur, 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 tourner. Dur, dur, se voir. Dur, dur, vivant. Dur, dur, être avec les gens. Dur, 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 dur. Dur, dur, vivant. Revenir, et tous les jours il faudrait se revoir naître, et tous les jours comment je me reviendrai, et comment je me reviendrai, et me voir naître, et dans quel état je me reviens, essayer de te voir, essayer de te voir revenir, un tout petit peu te voir, un petit peu revenir, essayer d'être avec les choses, et d'être avec les gens, dur, 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 être avec les gens. Et faire un gros tas d'ennuis. Je redouble mes efforts, je fais de l'ennui, j'en fais partout, j'en cause. Je n'en peux plus de causer de l'ennui. Nuit et jour, je m'ennuie ferme, je retrousse mes manches, je vais à fond maintenant. L'ennui ne me fait plus peur.